Bonjour, ouverture du vlog. Ça commence à devenir compliqué quand même cette chaleur. En plus à la maison, je vous dis, c'est un four. Moi, je travaille à l'étage, bah fourbaise en fait. Je peux pas travailler en bas parce que c'est un ordi fixe. Je peux pas vloguer parce que déjà, je peux pas sortir 36 degrés, 37, 38, une horreur. Et donc, mauvaise humeur un peu quand même. Hein. J'ai pas publié vendredi, donc ça me met un peu en bad. Et la fatigue parce que forcément, à l'étage, bah je peux pas dormir. Hein. Il doit faire 60 à peu près. J'ai ma paupière du haut et ça déjà, ça l'a fait quand j'étais au sable. Elle saute, mais elle saute, c'est flippant quoi. Et je sais que ça c'est un manque de magnésium avec toutes les carences que j'ai, ça ne m'étonne plus. Et voilà, tout ça mis bout à bout, j'ai pas le moral. Bon, petit truc cool, enfin, j'espère, mes cheveux. Cet après-midi j'ai rendez-vous coiffeur, je vais essayer de demander de les faire plus grosses et plus près de la racine, que ça dure un peu plus longtemps dans le temps. Voilà, et ce midi, ouais, j'ai les baguettes parce que je vais manger chez ma maman pour lui éviter de sortir avec cette chaleur. Et voilà. Ah oui, concernant les changements, j'ai fait des tests, le banc, là. Et en fait, en mettant la console, elle est où? Elle est là. En la mettant ici, bah, quand je me reculais, en fait, ça faisait double. Console là, c'était pas ouf. Donc bah voilà, hein, faut insister. Je ne partirai pas en vacances, puis c'est tout. Qui a la ref? Bonjour. Ça, c'est une source de joie. Ah, je vous ai pas dit, j'ai pris rendez-vous pour cette doudouille. J'ai remarqué depuis quelques semaines, je dirais 2-3 semaines, Jack se gratte là. Et il se gratte jamais. Hein. C'est un chat qui se gratte pas du tout. Je me suis dit, bon, il faudrait peut-être quand même aller le montrer, même si je suis pas fan. Enfin, il faut le faire, je le montre de temps en temps, mais c'est assez rare. Toujours en angoisse, moi, avec le de l'emmener chez le veto. Et faire un petit bilan, parce que tout le monde dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est maigre. C'est normal, il est au régime. Il mangeait tellement que là, bah forcément, il y a contraste. Mais quand même, on va checker tout ça. Hein, mon bébé, c'est dans une semaine. Bon, je pense que ça va aller, il n'y a rien de grave. Mais bon. Au moins pour son confort à lui, il m'a dit, c'est marrant parce que je l'ai eu hier, super sympa, je ne connais pas un monsieur. Il est resté longtemps au téléphone et il m'a demandé tous les symptômes. Il m'a dit, bah, écoutez, si il pensait que c'était des aoutas, est-ce qu'il y a... Et j'ai regardé, non, pas du tout. Et il m'a dit, sinon, si vraiment ça le démange trop, vous pouvez lui mettre de la bétadine. Vous saviez ça? La bétadine, la même que pour nous, en fait. C'est pas toxique. Non, Jack, c'est bon, je vais ranger. Je suis obligée de cacher les choses, sinon il va encore tout manger. C'est un coup, est-ce que je les oublie, mais bon. Non, mais... Il n'est pas content, du tout. Il est l'heure pour moi d'aller à mon rendez-vous coiffure. Avant, mes cheveux. Ouh. Et je vous ai pas dit, mais ce soir, nous allons manger en amoureux. Après sa première semaine de rentrée, c'est cool. Bon, ça y est, on a posé, on a fait des mèches beaucoup plus épaisses et on en a fait plus. Donc il n'y a plus qu'à attendre un petit quart d'heure. Mes cheveux, ils prennent vite, moi. Quelle heure est-il? 15h, ouais, c'est pas mal. J'aimerais bien faire peut-être une petite sieste pour tenir le coup. Je fais jamais de sieste, mais là, je sens que ça pourrait peut-être me faire du bien. 39, ça va, ça a baissé, c'était 42 tout à l'heure. Allez, je rentre. Je suis de retour. J'ai pas pu m'empêcher de les attacher alors qu'elle m'avait fait deux petits des mouvements, des wavy sur le côté, mais j'y arrive pas. je m'y fais pas. Bref, voilà, c'est joli. Donc elle l'a bien fait prêt comme je voulais. J'espère que dans le temps ça va bien évoluer. C'est très bien, il fait toujours aussi chaud. On part dans 20 minutes. Je suis trop pressée depuis 4-5 jours que je sais qu'on y va. Ça me... En plus, leurs pizzas, elles sont trop bonnes. C'est un vrai pizzaiolo qui vient d'Italie, qui les fait. Mais la pâte, vous savez, c'est cette pâte fine comme ça, croustillante. Ouf, excellent. Et il y a ce côté là où on va, comme c'est un camping, un très beau camping, on y va. Non, on va juste au restaurant. Bah, ça donne un petit côté vacances. Voilà, après sa première semaine de reprise, je pense que ça va lui... C'est même sûr, ça va lui faire du bien. Comment? Ouais. Ah ouais, on a dit qu'on partait. Moi, va. N'empêche, j'ai remarqué qu'ils avaient vachement poussé parce que je les ai coupés quand même là il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est une bonne chose. À la fin d'une journée excessivement chaude, on part en vacances. Il y a encore des gens sur les transats. Tu penses que tu vas prendre un petit cocktail ou pas pour fêter cette première semaine de rentrée? Ouais, je suis obligé. Les cocktails, c'est... C'est une façon de célébrer la vie. Ouais, moi je peux pas trop prendre en photo mon cocktail. On dirait que je prends un Alka-Seltzer ou un Doliprane. C'est un gin tonic. Et toi, c'est Tequila Sunrise. On est sorti du resto. Oh! Tu vois ce que je vois ou pas? Oui, je crois qu'elle m'a repéré. Vous avez les mêmes yeux? C'est magnifique. Tu les vois? Oui.
Ah là là, mais il y a vachement de... N'ayez pas peur, les petites loutres. Si, parce que c'est des petits, là, ils sont en panique. Chut. On a poussé un petit peu plus loin en voiture. Pour voir vraiment le coucher de soleil, parce que là, c'est soir d'été, ça va être de plus en plus rare. Hein. Ouais. C'est trop. Nous sommes le lendemain matin. Franchement, hier, ça va, j'ai même pas fini mon petit apéro. Mais par contre, j'avais mal au crâne, mais même avant l'apéro. Je pense que c'est l'accumulation chaleur, coiffeur, stress. Mais bon, 9h26, je vais quand même aller réveiller Eric. Alors finalement, nous sommes partis nous balader un peu. Il fait une chaleur. Je crois que c'est le jour le plus chaud, hein, clairement. Nous sommes à Illiers-Combray, c'est pas loin de chez nous. Bon, j'étais déjà venue avec vous. J'avais déjà emmené la caméra, vous savez, c'est... Oula, Marcel Proust. C'est sa tante Léonie qui est venue. Oui, voilà, ici. voilà. Et alors, c'est vraiment Il venait souvent. Oui, et c'est tout petit. Pour les vacances, notamment. Et on ne savait pas, mais il semble y avoir, ouais, vu toutes les bagnoles. Un vide-grenier. Bocan, braderie, ce que tu veux. Et surtout la chaleur. Et en fait, moi j'avais, alors bien sûr, je pense qu'à manger. Hein. Je sais qu'une fois, on était allé justement chez un gars qui faisait les fameuses madeleines de Proust, mais un peu revisitées avec du caramel dessus. Gourmande que je suis. Alors que, à l'origine, la Madeleine de Proust, c'est parce qu'elle buvait, je crois, une... c'était une infusion tilleul. Non, c'est pas une infusion tilleul, le tante Léonie qui apprenait, dans lequel elle trempait sa petite Madeleine. C'est ça. Je crois que c'est la Madeleine trempée dans cette infusion qui était vraiment le truc. C'est pas que de la Madeleine. On me permet cette petite... Et tu fais bien. Parce que je sais que les gens sont très attachés à la précision dans tes vlogs. Souvent, hein, j'ai lu moi un petit peu les commentaires, les gens font... Oui, tu as parlé de l'intrication quantique, c'est bien, mais là, je pense... Je vais parler d'intrication quantique. Intrication, non. Non, quantique, non. Mais en tout cas, si tu en parlais, je sais que les gens attendraient de la précision, de enfin, la rigueur. Bon, vous l'aurez compris, on ne sait pas, on se balade, on en mais profite. T'as pas l'impression que des fois, j'imite Edouard Baer, mais sans le faire exprès. Ah, c'est horrible. Oui, c'est vrai parce que moi j'entends à la fin. C'est vrai. À la fin je me dis mais essaye d'être normal quoi. Oh, mais ça te brûle la peau. Heureusement que j'ai mis mon 50 là. C'est incroyable. Heureusement que j'ai mis ma crème 50. Ah la Tesla. La Tesla qui a acheté des chaises chez le brocanteur. La Tesla de Bouineur. Tu sais la première fois si t'as l'ombre. Ah ouais, s'il y a de l'ombre c'est bon. Mais... Ah bah il y a de l'ombre. Par contre t'es au courant, je te jure, j'ai envie de pipisser. Mais alors moi si tu savais à quel point. Ah mais toi t'es un mec, tu peux toi. Ah ouais, mais moi je le ferais pas sans toi. Bah attends, il y a... De quoi te faire pipi? Pourquoi? Il y a solidarité. Non. Si. Ouais, vas-y, je me mets derrière une voiture, franchement j'en veux plus. Non, bah non, bah filme pas. Mais je filme pas là. Ah, parce que ça filme. Bah, oui, je crois. Je sais même plus. J'ai plus aucune idée. Ça filme pas. Attends, je regarde quand même. Je regarde la voiture qui s'en va. J'oserais pas te filmer alors que t'es en train d'aller te cacher derrière un arbre. Non. Vas-y. Allez, alors tiens la caméra, tiens le sac. Voilà. Bah dépêche-toi. Parce que l'arbre n'est pas gigantesque. Hein. Bah, elle est où? Caroline. Mais est-ce que t'es là? Salut Caroline. Hello. Tiens, je te redonne ton appareil. Hein? Nous sommes samedi en fait, hein. Samedi 8. Samedi 8 ou 9? 9 septembre. Samedi et Illiers-Combray, ça vaut facilement un lundi en préfecture. Et oui. Non. Trop chaud, flemme de parler là. Ouais. T'as appris là hein. Je ne t'ai pas compris. Oui, j'ai bagué en parlant. Je pourrais faire une photo, tu vois. Ouais. Je me mets là-haut. Je l'ai retrouvée, la Madeleine d'Illiers, restaurant tradi, salon de thé. Nous y sommes. On a pris la Madeleine. Regardez, Madeleine gourmande, donc ça doit être spéculoos. La Madeleine qui est quand même assez généreuse. En dessous, je fais une petite crème et ça, c'est une pavlova. Oh. La pavlova, en fait, bon, déjà, c'est un dessert russe. Tu as de petits éclats à l'intérieur de meringue. C'est bon, hein? Je pense que c'est un de mes desserts préférés. Ah ouais? Alors, la Madeleine, quand même, il faut la goûter parce que bon, elle est bonne, elle est très aérée. Ah, c'est la meilleure madeleine que j'ai jamais mangée de ma vie. Oui. Excusez-moi, il y a quoi comme parfum dans cette madeleine? On dirait qu'il y a un arôme. C'est un secret, hein. C'est vrai, mais il n'y a pas de secret. Ah là là. Vous avez la recette. C'est vrai? Mais vous n'aurez pas tout. Non, mais je veux dire, ça sent. Ouais, je. J'arrive pas à définir. Il y a un goût de miel. Ah non, je l'avais pas senti.
et elle est surtout très aérée. Voilà. Mais ça, c'est le fait de la réchauffer juste au dernier moment. Ah. C'est 50 degrés, mais on s'est régalé, on a tout mangé. Oh, voilà, mais c'est infernal. Trop bon, hein. Ah, c'est bon, mais c'est infernal. Tu m'étonnes. Ah, comment c'est bon. Moi, je serais plus du genre à désencombrer à la maison. Ouais. Donc, je sais pas, pour acheter des choses que je vais... Ah bah non, nous il faudrait qu'on vienne ici. Ah ouais, non, mais par contre, ça, c'est sûr, cette semaine, parce que j'attendais qu'il fasse moins chaud, mais c'est sûr et certain, cette semaine, je range tout. L'étage, les fringues, depuis qu'on est rentré de vacances, mais il y a des fringues partout. C'est carnage. Qu'est-ce que c'est fou, là, la limousine. Je vous avais déjà vu, monsieur. Oui, c'est pas au mariage. Au salon du mariage. Au mariage, enfin. Oui, dans une mariage, non, c'est le salon du mariage. Oui, on s'était vu au salon du mariage, tout à fait, avec votre... Bien, bien vu. Quelle chaleur de fou furieux. Waouh, contente d'être rentrée. Hein. Eric est en train de faire la cour, de laver la litière du Jackie, rafraîchir tout ça, mettre un petit coup là d'eau partout. Et à 18h, je vais m'atteler au montage là du vlog, un petit peu. Dimanche, nous sommes donc le lendemain. Je me suis mis une petite huile sur les cheveux, donc L'Oréal Metal Detox, une huile que tu mets sur cheveux secs, qui est censée être fabuleuse dans le sens où elle va hydrater, elle va réparer tes cheveux, mais surtout, ça ne va pas graisser, ça ne va pas se voir. Bien sûr, ça fait un effet hyper gras, c'est une cata. Et flemme, là, je ne vais pas les laver, hein, non. Oui, donc dimanche, il est midi, donc on va pas tarder. Là, je vais prendre un petit traitement, parce qu'il faut le prendre toujours une demi-heure avant de manger. Et cet après-midi, on était peut-être en suspense d'aller voir. Il y a un truc, genre, je sais pas trop. Dans tous les cas, si on y va, vous le verrez en vlog. Je vous pose ici, comme d'hab. Attends, pousse-toi, Jackie, gentiment. Je vais me faire mon petit traitement, c'est ça. C'est du fer, des vitamines B2, B6, B12 et surtout la vitamine C pour l'absorption. J'ai fait ça, je saurais pas dire si ça fait de l'effet. De toute façon, si, je le verrai peut-être sur mon état général, mais surtout, ça sera la prise de sang qui parlera. Hein. Oula, merde. La seringue. Je fais ça pour éviter de le boire comme ça, que ça touche les dents, parce que alors pour le coup, ça te teinte les dents en noir, donc c'est pas cool. Je suis contente, j'ai reçu, alors ça c'est un des articles de la box, du coup en tout j'ai reçu les trois premiers articles, il me manquera plus qu'un article plus le flyer que je vais lancer en prod, donc cette semaine, milieu de la semaine je pense que je vais commencer. Là où je suis quand même contente, c'est que logiquement les températures à partir de demain baissent, bon, gentiment 29 quand même encore, on va perdre 8 degrés, déjà c'est bien. Pour la prod, parce que là, si j'avais dû faire la prod la semaine qu'on vient de passer, waouh, compliqué. Je vous ai pas parlé de ça rapidement. C'est pas du tout une collab, hein. Pas du tout, c'est nous qui l'avons payé. Mais quand même, ça peut peut-être vous intéresser. Nous, bluffer. Regardez, c'est le pass Ulysse, le fameux avec la pub, là, où la nana, elle fait comme ça, là, en passant. Attends, ouais, je sais plus. À savoir que nous, déjà, quand nous allons au Sable d'Olonne, aller-retour, rien que le télépéage, enfin le... l'autoroute, on est sur du 50 euros, je crois, entre 50 et 60 euros. Et là, avec le pass, c'est 2 euros par mois, quoi que tu fasses, 2 euros par mois. Et en plus, les mois utilisés, c'est-à-dire si tu prends pas l'autoroute, bah t'es pas prélevé. Mais le petit plus, c'est qu'en plus, la barrière se lève, mais vous vous rendez compte ou pas? Quelqu'un qui utilise l'autoroute très régulièrement, tu vas à Paris, tu vas à machin, mais c'est génial, 2 euros. Donc c'est rentabilisé de malade. Hein. Petit boîtier comme ça, tac, tac. Et ça, c'est le support pour fixer. Ah, je n'ai plus de batterie. Maman n'a plus la batterie. Et voilà. Elle n'a pas pensé. Mais si, il y a la deuxième. Vous voyez? Il va te gratter. Tu vas te gratter? Non. Eric est justement en train de... Attends. Ouais, Eric, il est justement en train d'enregistrer tout pour le pass Ulysse. On l'avait oublié. Je vais rajouter donc à mes petites carottes crues un peu de... Oh la vache, j'ai trop de mémoire, je vous jure. Kiwi, oh là, kiwi, je suis persuadée que ça va être immonde. Non, je rigole, très bon. Jaquette, il est concentré sur ses croquettes. Et pour aller avec, je suis en train de me faire une petite purée de brocoli. Le midi, franchement, je mange très très bien. Mais alors le soir, bon bah c'est le problème, hein. Je le sais en plus qu'il faut pas. Qu'il faut plutôt manger plus le midi, mais bon, c'est comme ça. Et je vais rajouter la mozza.
Bah, c'est ce qu'il nous avait dit, hein. Fallait attendre 48 heures. C'est cool quand même. Oui, ah oui, il faut qu'on l'installe dans la voiture. J'avoue. Il est où le support ? Bah, dans le. Bah, il était dedans, je l'ai montré même en vidéo. Là, je l'ai touché. Hein ? Je l'ai touché. Ah, donc c'est toi. Oh, 13h, la croquette ! Tu veux de masse ? Tu veux la salade ? T'es pas là sur le bar ? Non. Ah, ça va être compliqué tout ça. On partira pas en vacances, ouais. Deuxième fois. C'est cool qu'on ait perdu tout de suite. On n'a pas attendu 10 minutes. Ah, sous le coussin ! Où ça ? Là, il était caché sous le coussin. Mais c'est fou sous le coussin. Bah, je sais pas ça. J'aimerais savoir. Bah oui. Ah ouais, je ne t'attends plus, Eric. Je ne t'attends plus. Qui s'est arrivé un pizza ? Il y a quelqu'un qui l'a mis à côté ? Mais non, c'était pour le chat qui le mange pas. La pizza ? Bah oui, tu le connais. Ma purée. Oh, ça va être trop bon. Oh, vous allez dire, mais ça fait 3 jours qu'il a la même. Alors non, il a acheté une série de chemisettes blanches pour cet été. Ça se voit quand même qu'elle est propre, non ? Oui. Non, mais ça se voit que j'ai... T'es beau ! Allez. Je veux ça. Je m'en prends, hein. Oui, moi aussi. Et donc, on se retrouve très très vite pour la suite des aventures. Allez, salut.